tous et à toutes et bienvenue dans la suite de ce plateau consacré à Fallout 4 et à New Game World. Et aujourd'hui, un épisode principalement consacré à la découverte de ce petit parc d'attractions. Bonjour. On a des flingues, c'est vrai, mais on préfère les lames. C'est plus marrant quand on se voit dans le blanc des yeux. Très drôle. Très bien. Eh bien écoutez, on va essayer de faire un peu connaissance avec les différentes factions présentes. Parle le moins possible. Ça évite bien des ennuis. T'es un mouton ou un loup? Parce que dans la meute, on n'accepte que les loups. D'accord. Alors, ici on a le market. On va aller faire un tour au marché. Oula, ça a l'air d'être méchant ça. Les démons, c'est les démons de la rouille. Oh, je les ai démontés, mais j'ai jamais vu un robot comme ça. Putain, il a la classe celui-là. Alors, voyons voir un peu ce qu'on peut trouver ici. Ça commence. Hop. Oh, salut, chef. Il y a un colis d'esclaves. Vous allez assurer, c'est sûr. T'es qui, toi? Et comment? C'est moi qui gère maintenant. Pardon, je suis un peu sur les nerfs. Je ne voulais pas vous manquer de respect, chef. C'est qu'avec vous, je ne sais pas trop comment me comporter et je ne voudrais pas vous faire chier. Ça, et puis... Je mentirais si je disais qu'on n'est pas tous en train de se demander comment vous comptez gérer le coin. C'est vous qui fixez les règles maintenant. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pourriez gérer Nuka World comme Colter. La routine, quoi. Ou alors, vous pourriez vous débarrasser des pillards si vous n'aimez pas leur façon de faire. J'admets qu'on m'a un peu forcé la main pour prendre ce boulot. Comme ça, on pourrait peut-être enfin changer les choses ici. Les gangs qui ont élu domicile ici sont déjà sur le point de s'entretuer. Vous pourriez risquer votre vie en essayant de les en empêcher. Ou, vous pourriez faire ce qui est juste et les éliminer de la surface de la Terre définitivement. Quand tout sera terminé, vous pourrez régner sur Nuka World du haut de votre jolie cabane dans la montagne. Comme avant. Sauf que vous pourrez enfin dormir sur vos deux oreilles. Je ne promets rien, mais j'y réfléchirai. C'est vous qui voyez, chef. Si vous voulez vraiment faire une différence, vous allez devoir tuer les chefs des gangs. Ça veut dire abattre Nisha, Mason, Max et son frère, William. Sans leur chef, les gangs vont se disperser et Nuka Town redeviendra un comptoir de commerce libre. Je crois que je ferais mieux d'arrêter de parler de ça ici. Repensez à ce que j'ai dit, d'accord? Je suis ce qui ressemble plus à un docteur ici. Je traite tout le monde sans distinction. Pillards, marchands ou voyageurs. J'ai aussi des fournitures médicales, si c'est ce que vous cherchez. Un médecin? Comment avez-vous atterri ici? C'est une longue histoire. Je vivais dans une colonie à l'ouest d'ici. On s'est fait attaquer par Colter et son gang quand il en avait encore un. C'était une bataille acharnée. On a tué des leurs, ils ont tué des nôtres. Les deux camps avaient des blessés, mais personne ne pouvait les atteindre. J'ai obtenu un cessez-le-feu à condition que je soigne leurs blessés en même temps que les nôtres. J'ai sauvé quelques vies ce jour-là, dont celle de Colter. Quand il s'est installé ici, il est revenu me chercher. Il a dit que si je venais, il ferait en sorte que ces gars ne touchent plus à notre colonie. Maintenant, c'est ici, chez moi. Que puis-je faire pour vous? Un traitement ou du ravitaillement? Pas maintenant. Ça marche. Les pillards arrêtent pas de parler de verre de sang. C'est intéressant. J'espère que j'en verrai jamais en vrai. Le dernier est mort trop vite. Hey, chef, je dois avouer que ça m'a fait plaisir de voir Colter tomber. Il me faisait vraiment peur. J'en faisais des cauchemars. Comment était-il? En résumé, violent. Les autres pillards vous diront qu'il était aussi un peu trop à l'aise à son poste. Dans tous les cas, c'était pas quelqu'un que je voulais comme ennemi. Exactement comme je veux pas être la vôtre, chef. Je veux donner de cauchemars à personne. Heureusement. Je vais beaucoup mieux dormir, maintenant que c'est vous qui commandez. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? De diriger Nuka World, je veux dire. J'imagine que ça doit être un job difficile de garder les pillards dans le rang. Je n'avais pas prévu de devenir grand Manitou de Nuka World. Mais autant profiter des avantages que ça offre. Ça se comprend. Bon, je suis sûre que vous avez mieux à faire que de me parler. À moins que vous ne soyez ici pour récupérer quelque chose? D'accord. Je vais jeter un coup de... Tout de suite, chef. Alors, est-ce qu'on a de l'épique qui traînerait ici?
Drone à l'indication et vers l'information intelligente et vide. Oh. Genre, vous pouvez rusher dedans avec la grenade. Genre, kamikaze. Et ça passe. C'est joli ça. Ok. Bon, ça ressemble à une brocante quand même. Je viens juste acheter du matériel, chef. Je cherche pas les ennuis. Des juste des bonnes affaires. Oh, c'est trop bien. Grand Manitou, je peux vraiment me servir au jeu. Quoi. Putain, je peux me dormir dans. Des pistolets, je vais dormir hein, parce que je suis quand même fatigué. Et toutes les autres armes qui nous font. Bon, ça va être la misère. Je crois qu'on va faire une bonne nuit de sommeil. 8 heures. Ce sera très bien. Comme ça, pas besoin de boire du Coca-Cola tout le temps, de choper de la caféine. On sera très bien. Ah merde, ah, si c'est toujours ouvert, c'est ouvert jour et nuit, c'est très bien ça. Il faut que je bois un petit peu d'eau. Hop. Et c'est parti. Ça devrait pas être trop mal. Ouais. Je suis là pour vendre, alors. Mais je baisse jamais ma garde. Voyez. Et je baisse jamais mon pantalon. Êtes-vous ici pour gracier mon humble étal de l'honneur de votre présence, ô superbe seigneur? Oh, t'es sous l'anteau. Parce que je pense que tu te fous un peu de ma gueule. Vous allez vous calmer ou c'est moi qui vais vous calmer? Je suis un peu sur les nerfs aujourd'hui. Oh, à cause de la façon dont les choses se passent ici. Quelle misère. On fait tout le boulot et après les gangs viennent en récolter les fruits. C'est un bon système en ce qui vous concerne. Mais je suppose que mon avis ne compte pas, pas vrai? Tant que je porte ce collier, je ne suis rien d'autre qu'un esclave. Ah lui, comme... Oui, mais un esclave en vie. Pour l'instant. Vous avez raison, la vie est merveilleuse. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Bref, s'il vous faut des armes ou des munitions, je suis votre homme. Et la réponse est oui. C'est gratuit. Tout le monde paye. Merde. D'accord. Voyons. Ok. Alors, voyons voir ce que tu as, toi. Le canon éclabousseur. Les dégâts augmentent après chaque coup consécutif sur la même cible. Oh, 8238. Bim. On passera plus tard, certainement. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Je vous fais voir un petit peu les différentes armes disponibles. Moi, c'est vrai que bon. J'ai trouvé des trucs plutôt pas mal. Pour l'instant, j'évite de trop dépenser. J'ai besoin d'un petit peu d'argent. Enfin, besoin d'argent, c'est une blague. Non, je pense que je retournerai plus tard dans les différents DLC récupérer les armes pour les exposer, en fait. Comme si je pourrais l'acheter, elle coûte pas si cher que ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez? Franchement, ça change tous les jours. Mais j'essaie d'avoir un bon mélange d'armes, de provisions et de babioles. Faut que je vois. Je parie que j'ai quelque chose qui vous intéresse. Voyons ce que vous avez là. Allez, vends-moi du rêve, toi. Donc on a les grenades intelligentes. Une espèce de fusil sniper. Ouais, elle a des fringues. Ah. Tranche-gorge. Non. Hop. Il m'intéresse pas. Merci, au revoir. Salut. Salut, chef. Vous avez vraiment salut, dû me branler à Colter. C'était quelque chose. J'imagine que tous ses plans pour le parc sont morts avec lui. Des grands projets, hein. Se faire tuer dans sa propre arène, par exemple. Bien sûr que non, boss. Quand Colter a pris les commandes, il avait des idées ambitieuses et il nous a fait de belles promesses. Il comptait remettre la centrale électrique en marche et illuminer le parc entier, pour qu'il soit plus facile à conquérir et plus sûr pour nous tous. On aurait pu y arriver, mais les choses ont changé. Le rythme s'est ralenti. Colter a arrêté de nous pousser, il a perdu sa motivation. Pourquoi a-t-il arrêté de s'en soucier? Il s'est passé quelque chose? Certains gangs disaient qu'il prenait un peu trop ses aises. Mais je sais pas vraiment. Bon, je suis qu'un marchand, donc mon opinion ne compte pas. Mais je pense quand même que c'est fragile. Peut-être même que ça donnera une chance à ces pauvres bougres de Dry Rock Gulch. De quoi? De quel pauvre bougre vous voulez parler? Vous savez quoi? Oh, oubliez que j'ai dit ça. Colter avait un bon plan. Je pourrais bien finir ce qu'il a commencé. J'espère, chef. Pour tout vous dire, il m'arrive souvent de rêver de ce jour. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que je me suis attaché à Spark après tout le boulot que j'y ai fait. Vous allez trouver ça débile, mais Nuka World a quelque chose de spécial pour moi. Je pense qu'il mérite de briller comme avant. Imaginez un peu. La nuit, on le verrait à des kilomètres à la ronde. Tout le monde en parlerait. Les gens viendraient de loin pour faire leurs courses au marché. Ça ferait un paquet de capsules pour vous et les gangs.
Ça fait longtemps que vous êtes ici ? Ça doit faire une vingtaine d'années maintenant. Ah oui, quand même. Que ce soit une aubaine ou une malédiction, Nuka World, c'est chez moi. Bon, faut que je me remette au boulot. À une prochaine, chef. Écoute, toi, t'étais plutôt intéressant. Je te gracierai, mon ami. Tu le mérites. Je fais du chemin pour voir ça. Les pas censé faire mal aux autres. Donner un coup de boost. Entre les deux cas, c'est ce qui menait en bateau. Si c'est Nuka World. Le chef en personne. Mad Max. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Voyons ce que vous avez. Ah. Bien. Alors, est-ce que... Ah, t'as rien. T'as un grand gueule. Ok, bon, on va dire qu'on a fait le tour du marché. Donc, quelques armes épiques qui peuvent être intéressantes. Mission 762, même si je pense que le fusil qu'on a vu, je reviendrai l'acheter. Je reviendrai pour le modifier également. Puisque là, en l'état, il est pas très intéressant, même si son multi, entre guillemets, permet d'infliger plus de dégâts au fur et à mesure que vous touchez. Donc imaginez si, en plus, vous le gradez pour être une arme un peu mortelle. Ça peut être vraiment sympa. Donc, quoi qu'il en soit, on continue à entendre des coups de feu au loin. Donc, on va continuer, nous, à faire le tour, voir s'il y a des choses. Hé, hey, je voulais vous dire, sans rancune, ok? Ça va, je comprends. Merci. Si ça peut vous réconforter un peu, je suis content que vous en ayez réchappé. J'ai perdu ma vraie famille quand Colter et sa bande nous ont pris cet endroit. Maintenant, ces marchands sont tout ce qui me reste. Ils sont devenus ma famille. Chaque fois que Colter m'envoyait tromper des gens pour les faire combattre dans l'arène, j'avais pas le choix. Je devais le faire. Ou il aurait tué quelqu'un que j'aimais. Mais je suis désolé d'avoir dû vous impliquer là-dedans. Oh bah c'est bon, je dis, je comprenais. Ne vous en voulez pas, Harvey. Je comprends. C'est bon à entendre, chef. J'aurais jamais cru me retrouver dans cette situation avant. Je croyais que ça en serait fini de moi. Allez, je ferais mieux de m'y remettre. Ouais. Alors, je sais même pas que c'était ça la quête. Parler à Harvey. Très bien, donc continuons. Toi, tu es qui déborde d'activité. Tu es un commerçant, tu n'as aucune unité, tu es un PNJ de seconde zone. Suivant. Dans la meute, survivaliste. On montre tout. J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne la meute. Les coups ils arrivent de là. On est toujours sur la marquette. J'ai chopé un marchand en train de piquer de la bouffe. Je vais couper les mains. Si tu te démarques, les balancer pas, de l'autre côté des portes. Spier, bien fait dans le On se demandait si vous alliez vous décider à venir nous voir. Putain, c'est chaud. Ah ouais, maintenant, ok. C'est juste un mannequin. Je pensais qu'ils avaient vraiment dépecé quelqu'un et qu'ils l'avaient. et qu'elle l'avait mis là. Ok, bon. Très bien, on va passer à la seconde partie de la cité. Parce que là, nous sommes ici très clairement. Parler à Gage dans le quartier du Grand Manitou. Bon, nous, on va continuer l'explo. Que je comprenne bien. Ici. Une bonne femme réchappe de la reine. Élimine le chef. Là-haut, il n'y a rien. On est censé la suivre. Comment c'est possible? Bah, c'est écoute, même pas une billarde. Tout ce que je sais, c'est que Gage est dans les montagnes l'autre jour. Et qu'il a eu une longue discussion secrète avec Misha. Eh ben écoutez, on va aller voir le café de KP. Café de KP? Qu'est-ce qu'il nous propose le café de KP? J'ai oublié une tâche. On passe un coup. Je vous prie, laissez-moi tranquille. Je fais de mon mieux, ok? L'assistant, c'est toi qui vas passer le balai, t'as compris la terreur? Je m'étais dit que j'allais tester la reine, histoire de voir ce que je valais. Mais maintenant, ça sert à rien. C'est chaud quand même ici, non? C'est pas facile de gérer les eaux. Valent pas mieux que des esclaves. On a tous un rôle à jouer. Les pauvres. Bon, je me sers. J'ai soif d'être aux manettes. Problème, mon chou. Je m'occupe de vous. Qu'est-ce que vous avez? J'ai tous les alcools que cette bande de voyous peut récupérer. Des meilleurs liqueurs. Bien. Bon, ça allait plus. D'accord. Vite. Tout de suite. Est-ce que c'est comme l'autre? Il n'a rien d'autre à me. Ouais. Rien d'extraordinaire. Donc, hop. Si vous en plus, c'est une petite radio prenez, en mode iOS. Ça, c'est sympa. J'espère juste ne pas avoir de problème avec YouTube. YouTube n'aime pas dur trop. Pour que cet endroit soit propre et accueillant pour vous et les la radio. Et comme toujours. Je sais pas. Tais-toi. j'ai dit tais-toi. Nuka Cola Victory. Il y a qu'un seul moyen. Alors, grand Manitou, ça va pas. Ici, on a quoi?
Ah, oh, ça c'est la classe. J'aime vraiment cette petite figurine. Et bonjour, excusez-moi. Vous êtes le papier toilette? Très bien. Nisha n'a qu'une seule règle en fin de compte. Faut jamais se faire peur. Je ne connais pas Nisha. Je fais de mon mieux pour que tout soit propre et rangé. Non pas que vous mettiez le bazar. Ah oh, ouais. La recette du Lucaside. Ni vous ni les autres pillards, mais bon, je me remets au travail. Salut. Je ne suis pas doué pour les conversations. Il y a des tas de gens plus intéressants que moi à qui vous pouvez parler. Bonjour, madame le grand Manitou, du chef. Toi, tu m'as l'air d'être un fragile. Tu es un petit fragile. Inspection. Tout va bien. Le seul? Non, la Caroline. Qui c'est qui fait le malin depuis tout à l'heure? Alors, un coq qui s'en bat les couilles. Il boit un petit coup, tranquille. Il y a rien d'autre ici. Comme si c'était le dernier jour. Oh, YOLO. Allez, ta gueule. Donc on va aller voir la prochaine étape. Donc ici on n'aura pas récupéré de Katanex, même si je pensais que j'allais péter la gueule d'un mec pour protéger le petit Keith. Mais apparemment non, ça se passe pas comme ça. Bon, les guignols qui sont en train d'attaquer les on capsules. On s'est vraiment chié de voir Micha dormir cette agence. D'ici là... Si, quoi. Jungle. Singe lunaire, bon, trouver les trucs classiques. Hop. J'ai jamais compris pourquoi Colter a amené trois gangs avec lui pour et s'emparer si... de New Coward. Y'a rien. Vous avez nous. Ils ont besoin des autres. Ok, ça je prends, ça j'éteins. Des fois, faut se poser opérateur, les bonnes questions. Opérateur. Quelle taille ils faisaient ceux qui ont construit cet endroit? Ils avaient des grues. Putain, les pillards, le cuit d'une huître. Je vais peut-être avoir des quartiers comme ça, je pourrais stocker mes trucs. Peut-être. Ça y est. Ah oui, ça je prends. Ah, ça je m'en fous. Terminal de l'infirmerie. Est-ce qu'on va prendre des trucs qu'il faudrait pas porter trop de choses sur vous? C'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de bouffe avec moi. Hop, faire tomber ça. Alors, le terminal de l'infirmerie. Qu'est-ce que des messages? Nouveau membre dans l'équipe. Oui, il y a couru un truc. Derek Larson. Derek est un infirmier qui nous vient tout droit de Medford Memorial. Tout comme nous, il aime les enfants et a hâte de travailler dans un environnement si unique que le nôtre. Faites en sorte que Derek se sente comme chez lui. Pour le bien-être et la sécurité de notre public, veuillez maintenir un environnement de travail propre. Ne laissez pas traîner des restes de nourriture ou de boissons. Si vous faites une tâche, nettoyez immédiatement. J'ai vu bien trop de flaques de Nuka-Cola ou de repas à moitié mangés laissés sur des bureaux. Dans le même sujet, lavez et désinfectez-vous les mains après chaque repas et passage aux toilettes. Un manquement aux standards de propreté pourrait nous faire fermer. Et je ne crois pas que quiconque ait envie de voir ça arriver. Merci. Nira. Lorsque vous êtes approché par des gens ayant des questions à propos du parc, n'oubliez pas de les rediriger vers Nira. En plus d'être la mascotte de notre parc, elle est aussi une excellente source d'informations. De plus, nous voulons qu'un maximum de gens participent à notre passionnant défi de collection de médailles du parc. Nos sondages ont indiqué à maintes reprises qu'il s'agit d'une des activités préférées du public, non seulement parce que ça les redirige vers nos meilleures attractions, mais aussi parce qu'ils sont récompensés. Les gens qui participent à la recherche des médailles du parc ont tendance à avoir un score de satisfaction plus élevé. Alors donnons une chance de tirer le maximum de leur aventure du Coward. Le concours d'image de Capi, Kashi et vous. Ces derniers jours, nous avons reçu des rapports troublants concernant les agissements d'employés du parc vis-à-vis du règlement de la chasse au trésor de Capi. Au cas où ces écarts seraient dus à un manque de clarté sur les comportements acceptables ou non, prière de bien vouloir lire ce message attentivement. En aucune circonstance, un employé du parc ne doit donner d'indices ou de conseils à un visiteur du parc concernant la position d'une image cachée de Capi. Si un tel comportement était observé et signalé, des sanctions seraient prises immédiatement. Très bien, je vous suis. Communication et considération. Pareil, petit surpose, c'est pas super intéressant. Très bien, donc ça va être le docteur qui doit être par terre. Le Coca-Cola Quantum est en fait disponible à la vente avec un goût parmi les plus uniques que nous avons créé, une apparence visuelle qui flatte la rétine. On peut vraiment être fiers de nous. Le cancer. On a du physicien.
C'est la troisième fois cette semaine que je trouve une flaque de Nuka-Cola par terre dans la clinique. Il est temps d'envoyer un petit rappel amical à l'équipe. 19 septembre 77. Les entretiens avec les candidats au poste d'infirmier sont prévus jeudi et vendredi. Je dois modifier le planning pour que le Dr Michaels puisse me remplacer pendant que je fais passer les tests d'embauche. Le 25 septembre. J'ai fini l'itinéraire pour les prochaines vacances. Je dois payer le compte et commencer à prévoir des activités. Le 4 octobre. Brad Burton a demandé à ce qu'on fasse une réunion. Il a soi-disant quelque chose à annoncer. Il est discret ces derniers temps. J'ai cru voir des militaires se rendre à son bureau l'autre jour. Il veut ouvrir de nouveaux marchés. 8 octobre. Note pour moi-même. Continuez à demander à Hoffman d'ouvrir un cabinet dentaire au sein de la clinique. Je ne compte plus les patients qui viennent pour un mal de dents. 17 octobre. Encore des enfants avec une irritation de la peau. Depuis que les brumisateurs Nuka World sont apparus, je constate une nette progression de ce genre de cas. Ça pourrait valoir le coup de suggérer une variante moins acide pour ce produit. 20 octobre. Quantum va bientôt être lancé et j'ai hâte de voir comment va se passer les essais cliniques. Comment ça va se passer, pardon. Les essais cliniques ne sont pas suffisants avec les boissons aussi expérimentales que Quantum. Nos testeurs prédisent un grand succès, alors que une fois que le public y aura accès, nous tarderons pas à découvrir s'il y a des effets secondaires. Très bien. Et bah écoutez, nous approchons des 20 minutes fatidiques. 20 minutes qui signifie la fin de cette vidéo. On va juste faire un petit tour en sachant que la quête devrait se passer ici. Il nous restera encore un petit endroit ici. Enter your code here. Il faudrait une clé. Donc je pense qu'il y aura besoin de mettre un code ici que je vais essayer de trouver. Et donc, ah là, okay. Là c'est là où j'ai dormi tout à l'heure. Parfait. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Nuka World. On ira visiter le salon, ou le salon où se cachent peut-être des choses coquines, ne manquez pas ce prochain épisode. Moi je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée, une excellente midi. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et à très bientôt, à ciao ciao.